Ce que je fais avec lui, c'est à Moustorac. J'ai couru avec Sylvain ici à Moustorac, mais c'était dans le bourg, plutôt dans le fief de la famille Korkmaz. Mais bon, c'est vrai que c'est intéressant de venir ici. Ce matin, Fabrice m'a appelé et m'a dit t'es chez toi, hein, t'as intérêt d'être dans la bonne. Ben voilà, je vais pouvoir appeler et lui dire j'étais dans la bonne. Dans la bonne un petit peu, je dirais c'est un peu la cerise sur le gâteau, le bouquet en plus, c'est bien pour finir cette journée. Ouais, je suis très très heureux. Et à côté de toi, il y a Christophe Lagallée, vous connaissez bien tous les deux en plus. Alors, je pense que c'est un petit peu l'inverse. Je pense que, il a manqué pour vous la victoire entre vous deux. Ouais, mais on est sur le podium, on s'est vu mercredi, il me disait on va descendre le 12 dents et puis on se retrouve ensemble. Je pense que c'est le premier podium qu'on fait ensemble. Bon, on se connaît depuis qu'on est à 10-12 ans. C'est sympa. C'est sympa un petit peu. Voilà, Fabien, on va le retrouver. Christophe, viens me rejoindre un petit instant. Voilà, juste, on va voir le rainer. Alors, Christophe, l'autre jour, c'était la victoire à Binot. Aujourd'hui, c'est ici, deuxième. Avec toute cette équipe, tu retrouves Fabien. En tout cas, c'est le plaisir d'être sur le vélo aujourd'hui encore. Ah oui, très bien. Ouais. En plus, on y est pas échappé, on a bien roulé. Et puis bon, à Moustorac, c'est Moustorac. Donc, avec Fabien, on y fait 3, je fais 2. On a peut-être voulu gagner, mais bon, Anthony était très fort aussi. Et puis, bon, il y avait cette Nivette qui était avec nous. Donc, c'était une bonne échappée, on s'est bien entendu. Mais bon, on a quand même bien souffert comme devant, il fallait rouler, il y avait du vent, donc non, c'est une très belle journée. Très belle journée, Jean. Qu'est-ce qui arrive à Cyril Guimet? On l'a pas vu, parce que ça aurait pu faire un autre garçon de Boosterette sur le podium. Non, moi je pense qu'il a dû coincer, parce que d'un seul coup, l'anglais de Rainbow a accéléré dans la côte, et puis après on s'est trouvé à 5, donc je crois qu'il n'était pas un bon jour. C'est dommage, surtout qu'on passait près de chez lui, donc c'est comme ça, c'est le vélo. C'est le vélo, Christophe. En tout cas, on va accueillir le vainqueur aujourd'hui. Alors, c'est genre, les garçons de Moustorac chez eux comme ça, on savait qu'ils étaient motivés. Ça donnait encore un petit peu plus de motivation, peut-être, pour aller les battre. Ouais, c'est sûr, parce que j'ai regardé bien, parce que je les voyais, ils étaient assez forts en début de course, mais c'est vrai qu'ils ont un peu coincé sur la fin de course. C'est comme ça, quoi. C'est comme ça un petit peu, le sprint est parti d'assez loin, un petit peu avantage pour toi, ou pas? Comment ça s'est passé ce sprint? C'est parti directement juste après le virage en bas de la côte. J'étais deuxième et je suis resté jusqu'au bout. Bah, j'ai réussi à remonter et je voyais que ça revenait dur derrière. Et j'ai réussi à résister jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, c'est une belle victoire aujourd'hui. Très belle victoire, la deuxième de la saison, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà, alors on va retrouver le podium.